yes, oh yes. Bonjour et bienvenue sur arcadequebec.com. Mon nom est Stéphane Goulet. Aujourd'hui, on vous présente. C'est les mercredis Twitch d'Arcade Québec, mercredi Twitch numéro 60 aujourd'hui. Donc, Guillaume a assuré pour les deux dernières semaines, car je ne pouvais point être là. Merci Guillaume, encore une fois, d'avoir fait le 58 et le 59. D'ailleurs, j'ai versé le tout sur la page web d'Arcade Québec. On sait là présentement. D'ailleurs, parlant de page web d'Arcade Québec, je ne suis pas prêt, comme d'habitude. Je vais taper ça simplement et vous la présenter. Et pendant que je peux le faire, laissez-moi une seconde, je vais mettre ça beau pour que ce soit beau pour vous. Donc, la page web d'Arcade Québec est juste ici. Donc, le podcast numéro 96 qu'on a enregistré lundi qui est présent là. Donc, ce qu'on vous invite à faire, bien sûr, c'est d'aller l'écouter. On parle de Mass Effect Andromeda et aujourd'hui, on va streamer du Mass Effect Andromeda. C'est-tu pas merveilleux? Donc, ce qu'on vous invite à faire, allez ici, cliquez sur le podcast numéro 96, allez l'écouter en MP3. Sur en MP3, vous pouvez le downloader directement de la page. Hein. Donc, vous n'avez pas à vous faire chier. Vous pouvez le downloader directement de là. Sinon, sur iTunes, sur Google Play, en streaming. Sur YouTube aussi, donc notre grosse face est là sur YouTube, si vous voulez voir la face des gars ainsi que la mienne. Si on revient sur la page web d'Arcade Québec, on a une section ici où on appelle tous les vidéos. Donc, tous les... Oh, vous voyez qu'il y a un petit bug ici au niveau de mon image. Je vais aller travailler là-dessus. Donc, le mercredi Twitch numéro 59, qui est la troisième partie d'Elle est Noire, qui va se retrouver ici. Sinon, bien sûr, vous avez les autres mercredis Twitch et d'autres vidéos qu'on a fait, dont les unboxings. Et bien sûr, des vidéos de plaisir qu'on fait. Là. On a fait aussi les trois premières heures là, de Breath of the Wild avec des amis. Il y a toujours des... Donc, tout ce qu'on fait sur Arcade Québec se retrouve là éventuellement. Donc, n'hésitez pas à aller nous encourager. Donc, allez sur cette page-là, allez sur notre Facebook qui est ici en bas. Cliquez là-dessus. Si vous allez sur Facebook directement, faites un petit follow, ça va nous aider. Donc, si vous tombez sur notre page comme ça, vous voyez, donc tout ce qu'on fait va être ici, toutes les annonces au niveau du podcast et tout. Bien sûr, on est rendu au podcast numéro 96, donc 96 veut dire qu'éventuellement, on va avoir un centième, donc on est en train de travailler là-dessus, histoire de voir là, qu'est-ce qu'on peut faire de spécial pour le centième du podcast. Bien sûr, Arcade Québec, c'est avant tout un podcast, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Donnez-nous vos commentaires. Aujourd'hui, on voit Mass Effect Andromeda, donc le nouveau Mass Effect qui sort. Pour ceux qui me connaissent, Mass Effect, c'est vraiment... Comment je pourrais dire ça? C'est vraiment une série de jeux, une de mes séries préférées. Donc, je sais que je dis beaucoup souvent là, qu'il y a bien des choses qui sont mes jeux préférés, mais celui-là, là, honnêtement, cette série-là, c'est vraiment dans mes tops. C'est sûr que là, si vous voulez entendre un peu c'est quoi les meilleurs jeux, là, tout ça, mais mon opinion par rapport aux meilleurs jeux, allez écouter le podcast 96, on en parle, on a une discussion sur Mass Effect qui doit durer autour de 40 minutes, donc allez voir ça. Celui-là, Andromeda, est loin d'être mon préféré par contre, mais c'est loin d'être un mauvais jeu. Donc, on va être capable de regarder ça ensemble. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, je me gratte pendant qu'on essaie ça. Donc, j'essaie de comprendre la force de Georges, puis je comprends rien. Aviez-vous remarqué que ça fait des mois que vous likez votre page web avec seulement 2 W? Donc, non, j'ai pas remarqué ça, Georges. Donc, avec seulement 2 W. Donc, OK, mais que veux-tu, Georges? On va l'écrire avec 3, donc à l'avenir. Donc, toutes nos excuses, Georges. donc, allons-y. Allons-y comme ça pour Mass Effect Andromeda dans le... Ah, OK, donc c'est ça qu'il veut dire, OK. Avec les W, donc je peux le changer, ça, c'est très, très facile sur le dashboard. WWW. Et ça va être changé. Bang, c'est fait. Donc, merci Jeff, merci Georges pour nous avoir. Donc, c'était dans le titre, simplement. Donc, on y va pour le mercredi Twitch. Donc, ce que je vous propose de faire, on va découvrir ensemble. Bon, j'ai une game qui est déjà avancée. J'avais un choix entre vous présenter la game, une game, dans le fond, le début d'un match, le début d'une game, mais ça risque d'être
boring un petit peu parce que l'histoire au début, c'est vraiment juste à peu près des dialogues, aucun combat, absolument rien. Donc, ce que j'ai fait, j'ai avancé un petit peu ma game aujourd'hui parce que je suis excessivement grippé. Donc, je suis vraiment grippé, donc j'ai pas été au bureau. Et j'ai décidé d'avancer ma game un petit peu et je vais vous présenter ma game, je vais vous présenter les environnements, donc le vaisseau et aussi différents environnements du jeu et un peu la mécanique des combats. Et si on a du temps, je vais faire un petit peu de multiplayer. Vous allez me voir perdre en multiplayer, ça va vraiment être sensationnel et effectivement, je suis véritablement agrippé. C'est pas bon, yes, ça commence bien. Unable to load because I didn't... Ok, donc yes. Ok, donc ça va super bien mon affaire. Il veut que je reload un content que... Bon, ok, donc laissez-moi une petite seconde. Je vous mets en attente une seconde. Je vais aller downloader ça, puis je vous reviens. Donc, je viens de downloader le tout. J'étais, dans le fond, dans le store et j'ai réussi à retrouver ceci. Donc, toutes mes excuses, je suis de retour. C'est que j'ai deux consoles, deux Xbox, donc une dans le studio et une de l'autre côté. Et j'ai downloadé le tout ce matin de l'autre côté. Mais non, c'était pas la patch, c'était pas la D2 patch, là, c'était vraiment pas ça. C'était simplement... non, ça, c'est, cette patch-là était très lourde. Là. Je pense qu'elle était quelque chose comme 4 ou 5 gigs, là, donc elle était énorme. Non, celle-là était très, très... C'était une patch de pre-order là, qui donnait du stock en multiplayer. D'ailleurs, je n'ai pas utilisé encore ce stock-là, simplement pour être capable de l'utiliser avec vous. Mais j'ai tenté, j'ai essayé le multiplayer tantôt et j'étais vraiment pourri, donc ça risque de vous faire rire énormément quand je vais l'essayer tantôt parce que j'étais crissement poche, et c'est le bon mot, je crois, crissement. Donc Jeff Dion qui nous dit qu'il a joué 2 heures de temps seulement, c'est quand même... tu devrais y jouer un petit peu plus, mon Jeff, c'est vraiment très bien. Donc ici, on commence la game dans notre vaisseau. Donc je vais vous présenter le fameux vaisseau qu'on appelle le Tempest dans celui-là, qui est dans le fond le vaisseau dans lequel on va se promener, notre vaisseau duquel on est maître. Donc, j'ai donc donc la cabine ici, là, vraiment l'avant là, où on prend les décisions. On a Callow ici qui est un designer de ce fameux vaisseau-là. Donc, c'est lui qui a... d'ailleurs, c'est lui que je vais essayer de coucher avec de cette fois-ci. Dans ce jeu-là, je vais tenter de coucher avec lui simplement. Donc, je vais tenter de le romancer. Saint-Sinner qui dit qu'est-ce qu'il est le seul à avoir joué à Mass Effect, la réponse c'est non. Il y en a beaucoup qui n'ont pas joué, par contre, allez-y. Là. Donc c'est peut-être pas le meilleur pour commencer l'histoire, parce qu'il y a quand même... Ben, ça change rien dans le fond, parce que dans celle-là, comparé aux autres jeux, celui-là se passe 600 ans après le troisième. Donc, tu sais, il y a plus ou moins d'interaction avec... Et là, ce personnage-là, je voulais vous le présenter. Je vais parler avec et vous allez voir ce personnage-là, donc la fille qui est ici. C'est un des visages les moins bien faits de tout le jeu, selon moi. Donc, ses cheveux là, sont exécrables. Ça m'a fait capoter. Hein. Donc, regardez-la, là, c'est, elle est vraiment, vraiment pas sa coche. Là. Comparé avec les visages de Horizon Zero Dawn, vous allez voir, c'est débile. Là. Donc, effectivement, je vais tenter de le... oui, mais ça va faire comme l'autre qui va me rejeter, possiblement. Donc, ça arrive. Je risque de vivre du rejet dans ce jeu-là. Parce que j'essaie toujours de romancer, donc de coucher avec le personnage le plus weird de l'équipage. Et c'est définitivement Callow, le plus weird de l'équipage. Donc, ici, la cabine là, où on prend les décisions. Il y a aussi un terminal où on peut prendre nos courriels. On va là-dessus. Puis bon, il y a certains courriels qui peuvent nous donner des missions. Donc, c'est important d'y aller une fois de temps en temps. Après coup, on a 2 cabines de chaque côté ici. Donc, des escape pods là, où on peut ressortir par là. La première ici, c'est là où on peut jouer sur notre layout. Donc, vraiment changer le tout là, au niveau de nos personnages. Effectivement, ça ressemble à une poupée, la fille, clairement. Donc... le layout de notre bonhomme qu'on peut changer. Donc, j'ai réussi ici à avoir quelque chose de pas pire au niveau de mon armure.
Dans la modification qui est ici en bas, regardez, j'ai quelque chose de vraiment ultra rare, 50% au niveau du shield de plus, donc ça risque de m'aider dans mes missions. Après coup, un autre personnage qui est ici, qu'on vient de découvrir, qui n'est pas là depuis le début, qui s'appelle PB. Donc ce personnage-là, une exploratrice qui on a rencontré dans une mission. Donc l'important, c'est d'y parler pour essayer de la romancer. Elle aussi, donc un autre personnage foqué, donc pourquoi ne pas la romancer? Donc on jase un peu avec elle, à peu près n'importe quoi, puis à un moment donné, il va débloquer une option où on va pouvoir la, lui faire des demandes ou des offres un peu plus, épicées. et là, je vous montrerai tantôt d'ailleurs ma... Zoro, l'extraterrestre. Je vais vous montrer, oui, effectivement, ça ressemble un peu à... Je sais pas pourquoi qu'elle a cette espèce de maquillage-là, là, c'est spécial un peu. Je vais vous montrer la cabine aussi du capitaine. Donc, vous allez voir que dans la cabine du capitaine, disons, c'est assez hot, là, la cabine. Je me laisserai romancer, moi aussi, dans cette cabine. Donc, je vais vous montrer ça. Oui, c'est vrai, c'est peut-être pour du stealth, effectivement. Donc, un super maquillage stealth. Donc, discussion. Chose poche dans celui-là, c'est quand la discussion est partie, j'ai jamais trouvé le moyen de skipper la discussion. Peut-être que c'est avec le X, là. Je vais regarder. Je vais l'essayer tout de suite, juste pour voir si on peut simplement reskipper une discussion. Mettons que je la passe sur le Nexus. Est-ce que je peux? Yes! Bon, OK, c'est bon. On peut skipper de cette façon-là. Donc, des fois, parce que les discussions s'éternisent, ou si vous avez fait quelque chose de pire, là, mettons un choix que rapide, puis vous êtes trompé, c'est quand même dégueu. Effectivement, le personnage principal a... J'ai pris le personnage de base, donc vous voyez, là, j'ai pas fait aucun changement. Généralement, ce que je fais des personnages vraiment laids, mais là, vu que j'avais seulement 10 heures dans EA Access, je voulais pas passer 2 heures à faire un personnage, puis finalement, être même pas sûr de garder ma game après. Donc là, j'ai réussi à... bon, j'ai pris le personnage de base et effectivement, il y a des yeux de poisson mort. Donc après coup, si on s'en va du côté du vaisseau, on peut descendre ici. Je vais aller vous montrer tout de suite la super pièce qui est la chambre du capitaine. Donc juste ici au centre. Regardez-moi ça, mes amis. Donc mon lit juste là, qui a l'air quand même douillet et confortable. Et c'est là que ça va se passer, les romances. Donc, regardez ça. Oh yeah! J'espère être capable d'en avoir une. J'ai failli en avoir une tantôt, puis j'ai un peu chié dans la panne. J'ai mal répondu, puis ça l'a frustré. C'était avec une des soldats là, que je vais vous montrer tantôt. Donc, encore une fois, un terminal au niveau des emails et tout ça. Donc, une belle chambre avec une vue de la mort sur l'univers. D'ailleurs, parlant de l'univers, j'ai testé aujourd'hui le jeu Everything, le jeu qu'on vous parlait à la toute fin du podcast, là, un exclusif pour l'instant PlayStation. Je l'ai testé aujourd'hui à cause de ma journée de maladie. Et j'ai adoré ce jeu-là. D'ailleurs, je pense peut-être à un moment donné le streamer, peut-être pas dans le cadre d'un mercredi Twitch, mais éventuellement, là, c'est vraiment un jeu bizarre et fucké. J'ai jamais vu un jeu comme ça, donc je veux vous montrer ça. Donc ici, le garage où les militaires se tiennent, les durs de durs se tiennent avec notre fameux vaisseau pour aller. Donc là, j'ai mis une peinture spéciale dessus. J'ai peut-être là une douzaine d'heures de jeu de fête, là, donc j'ai réussi à y mettre une peinture ultra spéciale, bizarre comme ça, donc je suis un flasheux, donc j'ai fait ça. Donc Liam, qui est un des personnages, un des crews de base du vaisseau. Oui, effectivement, tout a évolué, mais par contre, OK, c'est bien important, ça se passe 600 ans après, mais on a été envoyé dans l'espace, dans un arche, pendant 600 ans, donc la technologie n'a pas évolué, là, je veux dire, parce que nous, on était en cryogénie tout ce temps-là. Donc là, on a été réveillés. Le but, c'est de... On nous a envoyé sur... I'm interested in you. Yes, je vois comme ça. Oh, yes. Yes. Ah, ça serait vraiment awkward d'être capable d'aller le coucher, lui. Ah, il est heureux, en plus. Thanks, though. Still, answer me this. Would I be a one-night thing, or do I read this marriage material? On va dire du short-term, t'sais. One night, all night. Donc, c'est ça. Donc, il faut se rappeler que la technologie n'a pas pu évoluer si tout le monde dormait. Donc, c'est un peu ça l'idée. Donc, on va lui poser des questions un petit peu plus personnelles pour lui. Puis, dans le fond, le but, c'est de coucher le plus de monde possible dans le jeu. Ça a toujours été ça dans Mass Effect.
Donc, c'est comme ça que ça fonctionne vraiment avec l'espèce d'arbre là, où on peut poser des questions puis amener les gens un peu plus à nous parler. Donc ça, j'ai déjà te posé des questions au niveau de sa famille et tout ça. Donc, je suis le genre vraiment à faire le tour au complet puis à jaser avec tout le monde pour être capable de ramasser le maximum de gens. Donc, effectivement, le buggy ici, il ressemble au buggy des autres jeux, clairement. Donc, ils n'ont rien réinventé. D'ailleurs, c'est le plus gros reproche que j'ai de ce jeu-là, c'est que c'est Mass Effect. Donc, dans le fond, je veux dire, on n'a rien réinventé. Tu sais, entre le premier et le 2, il y avait eu une évolution majeure. Entre le 2 et le 3, il y avait eu quand même une semi-évolution, quand même pas si, disons, si grande. Mais entre le 3 et le 4, là, donc le Andromeda, il y a véritablement peu ou pas d'évolution, si ce n'est que l'histoire qui recommence finalement. Là, donc, il n'y a pas de lien direct entre la trilogie et ce jeu-là. Donc, ce qu'on veut, c'est recommencer simplement une histoire. Et ici, le moteur donc, qui propulse notre vaisseau. Avec Gil qui s'en occupe, qui est un genre de bizarre, qui n'arrête pas de faire des jokes un peu awkward. Donc, voici Gil, donc... Ça, c'est pour les gens de l'équipage au niveau soit moteur et combat. On va aller ici. Donc, on revient au centre du vaisseau où on a un genre de plateforme de commandement où il y a notre équipe médicale qui est là. Donc, le médecin qui est ici. Effectivement, il ressemble à Gilles, mais avec des cheveux, donc clairement. Donc, on peut y parler un peu au niveau médical pour le crew. C'est déjà fait. Quelque chose de bien intéressant aussi, il y a un ordinateur juste ici à gauche, qui est le Strike Team Mission. Donc, si vous avez joué à Assassin's Creed ou si vous avez joué à d'autres jeux, vous pouvez envoyer engager des mercenaires et les envoyer pour faire des missions. Ou vous pouvez vous-même faire les missions online. Donc ça peut être intéressant. Puis c'est la dimension online du jeu là, qui n'est pas l'unique dimension online, mais qui est une dimension intéressante. Donc exemple, celle-ci est une mission à temps, dans le fond, qui expire dans 5 heures. Donc je pourrais la faire là. D'ailleurs, je vais en faire tantôt, c'est ce que je veux faire. Et donc, on peut aller directement à la faire ou envoyer des gens à la faire pour nous, donc qui va être un crew là, qu'on a engagé. Donc, j'ai déjà deux crews qui sont partis. Donc, il y en a un qui finit dans 1h23 et un autre qui finit dans 1h08 en espérant qu'ils reviennent avec, dans le fond, il y a un pourcentage de 70% pour réussir la mission chacun. Donc, en espérant qu'ils reviennent en vie. Il y avait des missions un petit peu plus difficiles, exemple celle-ci, avec les crews que j'ai là, qui sont vraiment au niveau 1, étaient assez poches. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, dans Assassin's Creed, il y avait ce genre de missions-là aussi. On pouvait envoyer des flottes de bateaux faire des livraisons ou faire des missions comme ça. Et on avait un pourcentage. Plus les bateaux étaient forts, plus on pouvait aller lire. Ça, c'était dans l'Assassin's Creed Black Flag. C'était super intéressant. Il y en avait aussi là, dans d'autres jeux, je crois que dans Brotherhood, il y en avait aussi. Donc, c'est un peu inspiré de ça. Mais j'ai aimé le fait qu'on puisse nous-mêmes aller faire les missions. Ça étire un peu le jeu. Puis ça donne un peu une... Ça donne une dimension, dans le fond, active au multiplayer. Donc, et là, ici, Cora, qui est celle que je veux véritablement, que j'ai failli coucher tantôt. Donc, je parle avec elle, qui a vraiment une coupe relativement bizarre. Donc, je vais... Donc, il y a plusieurs arcs qui ont été envoyés, qui ont été envoyés. Donc, l'arche des humains, dans lequel nous, on était, qui est arrivé à bon port à Andromeda. Et il y a trois autres arches qui ne sont pas encore arrivées. Donc, une des Asari, une autre, je crois, des Krogan, puis il y en a une autre là, que je ne peux pas vous dire. Donc, une des missions, c'est justement d'aller retrouver ces arcs-là. Donc, ces arches-là, pardon. Donc, je peux pas rien demander de plus. C'est plate, j'aurais aimé ça. Mettons, vous montrer une petite scène awkward avec deux bonhommes de jeux vidéo qui se touchent. Oui, Jeff qui dit que c'était aussi utilisé dans Metal Gear. Effectivement, c'était clairement utilisé dans Metal Gear à profusion. Oui. Et ici, une autre pièce là où on va, dans le fond, c'est notre... C'est le coin médical, je crois, le Medical Bay. Donc ça nous montre un peu c'est quoi le vaisseau. Donc ici, je vais sélectionner une mission pour essayer de vous présenter un peu de combat, un peu les mécaniques de jeu là, par rapport au combat, puis vous montrer que c'est pas mal pareil comme dans les autres. Donc dans le journal, on a ici une mission prioritaire, une mission qui fait avancer l'histoire où on doit aller sur un... Oui, donc on doit aller dans un autre système pour activer... Donc, notre but, okay, encore une fois, c'est de relocaliser l'humanité dans Andromeda, donc dans cette fameuse univers-là, qui est très, très loin là, de notre univers à nous.
Donc, ce qu'on fait, on rentre sur des planètes et on tente de voir, bon, justement, est-ce que cette planète-là est viable pour l'humanité? Si la réponse, c'est oui, on installe un système dessus qui fait que, justement, ce système-là va aller, dans le fond, purifier l'air et tout ça. Et on se rend compte qu'il y a déjà une technologie sur certaines planètes, déjà un genre de réseau de Volt qui sont là et qui faisaient déjà ça. Donc, on va activer ces fameux Volt-là. Donc, c'est un peu là, ce qu'on vient de découvrir dans l'histoire. Et je vous rappelle que je ne suis pas beaucoup, beaucoup avancé. Donc, on va aller dans la galaxie comme ça. Donc, on va sortir simplement. Donc ici, le vaisseau de base qu'on appelle le Nexus, qui est dans le fond l'équivalent un peu du vaisseau dont j'ai oublié le nom. Là, pas qu'un oubli, excusez-moi, je vais me moucher. Là. C'est quoi le vaisseau dans les trois premiers? Là, la citadelle. Donc le Nexus, c'est comme un peu la citadelle, si vous voulez. Donc, c'est les arches, c'est les gens qui le construisent, justement. Donc, la première arche est arrivée. Le premier arche, pardon, est arrivé et a construit, est en train de le construire finalement. Donc on va reculer, on va essayer d'aller voir toute Andromeda. Donc vous voyez, Andromeda, c'est ça au complet. Donc on a découvert ceci. On va aller dans l'autre galaxie qui est juste à côté et tenter d'activer ces fameux, volts-là qui vont purifier l'air ou en tout cas... C'est des genres de machines, on comprend pas encore c'est quoi, et d'ailleurs c'est pas expliqué. Là. C'est des genres de machines qui sont déjà là d'une technologie ancienne extraterrestre. On les active et ça purifie la planète simplement. Ouh, donc il se passe quelque chose. Itabarnakin, qu'est-ce que c'est que ça, Carlis? Ok, donc les quêtes, c'est des genres de nouveaux méchants, si vous voulez, là, qui se tiennent dans cette planète-là, qui ont une face vraiment bizarre. Là. Oui, effectivement, c'est un heureux hasard, cette technologie. Probablement que ça a un lien là, avec le reste de l'histoire. Là. Ça doit être un peu plus mieux ficelé que ça, j'imagine. Là. Ok. Donc, ils ont pris le contrôle du vaisseau. Bon, c'est ça, un quête. Heureusement, ils parlent notre langue, c'est quand même bien. Ok, donc on va y répondre. You're the one in my way. Who are you? They've lost navigation. We're being steered into their ship. Just tell me what you want. I won't explain what you can't understand. Ryder, I have almost regained control of the ship. Ok, donc Sam, c'est une intelligence artificielle qui nous assiste et qui est implantée dans mon cerveau. Ok, donc on va essayer d'y aller peut-être un peu plus intelligent, comme ça. Ok, donc ils ont une langue d'ailleurs commune entre eux, les quêtes. Là, on a déjà vu, j'ai déjà vu un genre de des échanges entre eux là, avant un combat, puis il y avait leur langue. Là. Donc en espérant que je puisse crisser mon camp et ne pas... me faire buter par ces genres de milliers de vaisseaux-là. Là. Regardez ses cheveux, comme ils sont mal faits, c'est débile. D'ailleurs, je pensais peut-être faire un petit vidéo très rapide là, de comparaison des figures entre Horizon Zero Dawn et ce jeu-là pour justement montrer deux jeux qui sont sortis à quoi 2 à 3 semaines d'intervalle et qui... Et justement, qui sont très, très différents au niveau du facial, comme j'aime dire. Je sais que Guillaume n'aime pas ça quand je dis le facial, mais c'est ça. Nice work, kid. Yeah. But who the hell was that guy? Ryder, we've got trouble down here. You need to find us a port now. Great. Ok, donc on a réussi à se sauver, c'est quand même bien. Les sensors sont damagés, mais je pense que nous sommes à la coordonnées de la vault. Tu penses? Gil, donne-le ce que tu peux. Nous sommes down. Contacté par une autre. We have to land. Open a comm. Tove Jagalesto. Ok, donc qu'est-ce qu'il est en train de dire?
Listen, sorry to just show up like this, but I swear, we're the Galactic good guys. Une langue qu'on connaît pas, ça va très bien. They're forcing us to land. Then we land. OK, donc une tournure de l'histoire que j'avais pas prévue. Je pensais aller faire une petite mission bien tranquille, libérer un vol, tout vous montrer ça. Mais là, c'est très bien, dans le fond, c'est correct, ça. Yes. Look at that. It's beautiful. Donc, une autre... d'autres extraterrestres qui sont là sur leur planète, déjà bien établis, qui ont des maisons qui ressemblent étrangement aux nôtres, mais bon. Au niveau des environnements, des graphiques et tout ça, j'ai rien à dire, là. Franchement, c'est quand même bien. Au niveau des échanges entre les personnages, c'est un peu cocky, là, vraiment, la Mass Effect, c'est très très bien. Par contre, c'est le visage des joies des humains, là, qui est vraiment, disons, pas à chier, mais pas 2017, disons. Most important thing ever. No pressure. This is what it's all about. Ouais, c'est effectivement, ça fait des beaux condos sur le bord de... Ça fait beaux condos du sud des États-Unis, disons. Donc, quelle est cette race de merde? Ah oui, j'en ai vu un multiplayer tantôt, une de cette race-là. Et je me demandais justement, c'était quoi? J'ai hâte de jouer en multiplayer pour que vous puissiez me rire de moi. Et d'ailleurs, si ça pogne le multiplayer de Mass Effect, j'en ferai quelques fois. Thank you. OK. On dirait vraiment que c'est un poisson. Là. Check ça à la face, il est comme... Les yeux comme trop ouverts. I'm Paran Shai, governor of... Fun qu'elle parle ma langue, c'est bien. We are the Angara. Hello. I'm a Pathfinder. Donc le titre Pathfinder. Yes. Pathfinder, c'est un titre. Mon personnage s'appelle Ryder. I've heard of your journey, Joel. Et Pathfinder, c'est le titre justement qu'on lui a donné pour que quelqu'un justement trouve. Donc c'est quelqu'un qui se doit de trouver une nouvelle, un nouvel endroit pour l'humanité. Donc justement là, de trouver un path. A Pathfinder. Aya is hidden, protected. What do you want? Donc, we come in peace, je pense que ça pourrait être la bonne. We come with a spirit of cooperation and to live in harmony. We've heard that before. I'll inform Ephra. He'll be waiting for you in his office at the Resistance headquarters. I'll meet you there. I will accompany you through our city. Your crew will stay okay. On your ship. Trouve mon ami, on fait ce que tu nous dis parce que j'ai des guns dans le dos. Donc on va y aller comme ça. Follow closely. Do not try to explore the city or interact with anyone. OK, c'est assez clair. Ephra's guards will use force if necessary. OK, donc j'espère qu'elle partira pas à courir comme une I suppose. Non, OK, là au moins elle marche correct, c'est ça. Donc on dirait que dans les premières heures du jeu, là, il y avait eu ces espèces de moments awkward là où il y avait des gens dans l'espèce de dans le Nexus, là, donc l'équivalent de la citadelle, qui jasaient avec moi, qui marchaient avec moi, puis qu'à un moment donné, là, partaient à course complètement. Là, on dirait qu'avec la patch, c'est comme réglé. Là. Et là, on marche ensemble, là, donc on n'est pas. À part pas courir comme une épaisse devant moi. Là. Je dis épaisse parce que ça doit être une femme, comme j'ai compris. Là, et plus un peu plus féminine, disons, que celui qui est venu me voir tantôt. Là. Qui essaie de me voir. Ils sont curieux. C'est quand même bien. Belle place, paysan. Am I that intimidating? You're an outsider who invaded our home. We know nothing about you. Je trouve juste ça bizarre qu'elle parle ma langue, mais bon, ça aurait pu être le décodeur. Il aurait pu faire de quoi par rapport à mon décodeur qui comprend leur langue ou whatever, là, mais bon, c'est un peu poche qui parle ma langue. Là. Surtout qu'il n'y a aucun moyen qu'il ait déjà vu des humains avant. Là. None of the local flora register in my data files. We've encountered an undiscovered ecosystem. Your city is beautiful. Thank you. You're the first outsider to see it. I'm honored. OK, donc le premier de l'extérieur à voir la ville, je suis quand même heureux. Bon. What happens if Ephra doesn't like me? He won't. But you need to earn his trust. He's responsible for everyone's safety.
I know what that's like. You're a leader. I'm trying to be. Il y a une grosse envie, c'est ça que tu dis, Jeff. C'est ce que je comprends aussi. This is the resistance headquarters. Ephra is waiting inside. OK, donc on va ouvrir ça. They are bullies, but this situation is now your fault. Don't But you're telling me to be weak. No. I'm telling you to be strong. Through your cunning and pardon. Donc, en plus, je donne une formation demain et après-demain, donc j'espère être mieux que ça pour former du monde, parce que sinon, j'ai comme dormi toute l'après-midi, là. It really is the best one in the resistance. I know. OK, il me regarde bête un peu, je trouve. Our experience with the Ket makes us naturally distrustful of all aliens. OK, donc c'est sûr qu'avec les Kets qui sont, ce qu'on a vu tantôt, là, les espèces de méchants dans le gros vaisseau, là, sont vraiment un peuple très très guerrier, là, donc c'est sûr que là, eux autres sont un peu méfiants par rapport à ça. When the Archon came to Helios, he demolished our sovereign state. Oui, effectivement, ben, ce que je vais faire, vu qu'ils ne me font pas confiance, là, je me retiens un peu, mais tantôt, ce que je vais faire, ben, probablement, là, aussitôt que je suis libre, je m'en vais derrière un... Et je chie à quelque part, ça c'est garanti. D'ailleurs, c'est des racistes, clairement, je suis complètement d'accord. Ouais, donc... Mathieu qui est là dans le chat et qui dit « Essaie de ployer le mot masturbation dans ta formation demain. » Oui, oui, je te promets que je vais tenter de le faire. D'ailleurs, je passerai par ton bureau pour te le dire. This is one of the aliens from the Milky Way. A Pathfinder. Pathfinder. It's an aggressive move coming to Aya. Un aggressive move, OK? Yo, yes, Murex qui est là. Yes, salut Murex, merci d'être présent encore une fois sur Arcade Québec. Of course. Donc ici, Saint-Sinner qui nous parle de masturbation dans la classe. Donc oui, effectivement, j'utilise régulièrement pour déstabiliser les apprenants. J'utilise régulièrement le mot en classe. Ben, régulièrement, pas si régulièrement que ça, là, mais quand les gens sont... ça fait quand même bien. Oui, effectivement, masturbation mentale, ça passe toujours bien. Ouais, c'est bon, je vais l'utiliser comme ça à l'avenir, tu vois... Oui, bonne idée. Donc, ça, c'est de la masturbation. J'ai déjà dit masturbation juridique à plusieurs reprises parce qu'on parle de loi au bureau. Mais jamais masturbation mentale. Donc, tu vois, merci. C'est trop facile, mais oui, mais on garde, je veux dire, c'est ça un peu... Bon, OK, on peut changer de mot, mais ça pourrait être quel mot? Donc, je vois difficilement d'autres mots que ce mot-là qui pourrait être difficile à dire dans un contexte de bureau, dans une formation. Donc là, je me demande qu'est-ce qu'ils viennent de me demander. OK. Cat have earned a rescue, the attempt failed. OK, c'est bon. Anal, trop facile. Analyser, analphabète, trop facile. Beaucoup trop facile. D'ailleurs, je peux parler d'une blessure anale. Trop facile. Oui, ben effectivement. Sodomie, ouais, j'avoue que là... Analgésique, trop facile. Sodomie, j'avoue que là, tu marques un point, là, ce mec-là. OK, demain, je dis le mot sodomie et smegma. Ouais, Jeff qui a trouvé quand même une bonne... donc oui, effectivement, quelqu'un qui ne pourrait plus se masturber suite à... oui, effectivement, analgésique, oui, effectivement, c'est ça, tu vois, donc ça se plaît toujours bien. De dire que quelqu'un ne pourrait plus se masturber suite à un accident d'automobile, oui, ça pourrait très bien passer. Donc, j'ai pas trop suivi la conversation de nos personnages, mais grosso modo, je pense bien que ce qu'ils veulent, c'est que j'aille délivrer quelqu'un pour eux, donc que je leur rende service, donc gratte-moi le dos, je te gratte le dos. Donc là, ici, je vais tenter d'aller chier d'un buisson. Oh, il y a lui là, qui a l'air de vouloir parler, non? Non. Donc, first step. Donc, on va aller chier dans le site. OK, c'est bon. Donc, c'est fait. I've organized my analysis of Aya. Shall I relay it to the Nexus? Trade? OK. Trade.
Ok, je pense que oui, j'ai compris. Are you asking or telling? Wondering. Ouais, là, ça devient un peu trop raide là, pour moi, ce Jeff, là, honnêtement. Là. We pay for things with a currency called credits. Ouais, c'est vrai, effectivement, si je dominais, je pissais un petit peu partout pour montrer ma supériorité d'humain, ça pourrait effectivement être très bon, mais il n'y a pas moyen de le faire dans le jeu, hein, c'est ça qui est plat. You pay them to us for whatever we're selling. Now we cut open the heart. What do you offer? I can set up a meeting to arrange a Complicated. Another time. Is there something else I can do for you? Yes. Okay. Call me Soka. I run cargo between Aya and other worlds. Okay, donc il va peut-être m'amener lui des items un peu plus disons exotiques. One of my suppliers off world stopped checking in. Effectivement, donc les yeux des extraterrestres sont crissement mieux faits, j'avoue que c'est clair là, mais de toute façon parce qu'ils sont pas dans le fond ça a l'air de des genres de lézards, des genres de cobras ça ou whatever là. You're one of few people here willing to give me a chance. I'll take it. You have a ship? I have my supplier's nav point. His name is Kelvin. Find him, his supplier. OK, donc on vient de se débloquer une mission. Mais oui, les extraterrestres, je vous disais tantôt, là, justement, là, je veux dire, moi, je les trouve quand même vraiment très bien faits. On va l'explorer un petit peu de ce côté-ci. OK, donc on peut pas aller plus loin que ça. Oh, il y a quelque chose ici. OK, il y a besoin de volontaires. Ils écrivent notre langue, c'est super. Donc, ce qu'on va faire, on va retourner du côté de... Et regardez comment le personnage aussi... tu sais, comment il marche. Tu sais, j'ai l'impression que... Tu sais, quand il tourne, là, il tourne comme un char. Tu sais, il tourne pas comme un humain. Tu sais, il break pas pour retourner. Là. C'est qu'il me laisse pas passer. OK, bon, c'est bon. Donc, yes, on s'en va dans le Tempest pour... C'est ce que j'ai trouvé un peu bizarre au niveau des déplacements du personnage. On dirait vraiment, vraiment des contrôles. Pas des contrôles, mais des mécaniques d'une ancienne époque de jeux vidéo. Quand tu joues vraiment à Horizon, puis que tu joues tout de suite là, après à Mass Effect, tu vois vraiment la différence là, quand même majeure au niveau des déplacements, au niveau des De la réponse là, dans le jeu et tout ça, là, c'est vraiment, vraiment hallucinant. Là. Ils ont vraiment du pain à manger, nos amis de BioWare. I'm just saying, as far as first contact goes, at least that went better than the last one. Regardez la face des... Ah, mon yeah, Dieu. What happened? I wanted to look around. Bon, effectivement, c'est pas seulement du polissage, c'est d'autres choses. Il y a des mécaniques qui sont semis, là. Do the translators not work? They work. Come on, everyone. Can we just all please try to just listen up? Begging. Puis en plus, le tu sais, Shepard avait une espèce d'aura. Tout le monde l'écoutait quand il parlait. Il était là, il était présent. Ce personnage-là, Ryder, il est comme un peu. Il est toujours remis en doute par les gens. Il n'y a pas le tour, on dirait, d'aller, je sais pas, dans le fond, dans l'histoire, d'aller chercher, tu sais, un peu toute la sauce colle pas avec lui, c'est ça que je veux dire. Tu sais, il n'y a pas cette espèce d'aura-là de respect dans le développement du personnage. One day, about 80 years ago, the Archon and the Ket arrived in Helios. And the horror began. OK, donc ça fait seulement 8 ans que les quatre sont là. The cat kidnap Angara. Their people disappear without a trace. What if they were us? Sure, I'll fight Ket all day long, but that's no plan. Effectivement, quand t'as dormi depuis 600 ans, ça se pourrait que tu sois moins décisif. En plus, tu portes du turquoise. J'avoue. Moi, je le vois bleu, là. Je le vois pas turquoise, là. Mais oui, non, c'est bleu, bleu, bleu turquoise. Effectivement, c'est clairement turquoise. Mais j'utilise jamais le mot turquoise. Tu sais, je veux dire, c'est bleu. A
and you'll accompany me. OK, donc on va aller chercher ton ami, il n'y en a pas de problème. Because then, Ephra will see you as trustworthy. Ouais, effectivement, donc si tu portes du turquoise puis t'es tout autoritaire, ça marche pas. Non, j'avoue, je suis complètement d'accord, Georges, tu marques un point. Tu marques un solide point. Was a thriving planet of billions, a shining center of technology and life. And now? It's the center of our ground war against the Ket. Our resistance base is fighting Ket command for control of the planet. What about the other? Donc tout le monde s'allie contre les Ket, donc j'avoue que c'est vraiment des mangeurs de marde. Started to degrade, to become wild. We suspect remnant. Now we're talking. We've recently lost contact with our scientists. Still don't get how any of this helps us. I do. Help us, or rather help me. And all that. Moi, honnêtement, là, j'ai vraiment de la misère avec les couleurs, honnêtement, là, véritablement. D'ailleurs, dans le temps des fêtes, j'ai acheté un nouveau téléphone, puis j'ai acheté cette... J'ai acheté un case pour le téléphone, puis... Et c'était vraiment un case rose que j'ai acheté. J'étais persuadé qu'il était orange, donc tu vois. Donc c'est vrai que... Non, c'est vrai que c'est les yeux, hein. Le reste de la face, c'est pas pire, mais les yeux sont incroyablement laids. Là. Ouais, saumon. Il était pas rose, il était saumon. Donc... j'arrête pas d'avoir des achievements en continuant la game. OK, donc j'arrête pas de virer en rond, excusez-moi. Donc, on va aller vers... Donc, démarrer cette mission-là. Boom! Donc, je veux qu'on monte un peu de combat. Donc, on va activer le scanner et voir ici qu'est-ce qu'il y en a. Donc, landing zone, oh yes! On y va, donc un peu de combat, puis après ça, on fait du multiplayer, donc ça pourrait être bien. Oui, bon, OK, effectivement. Vous l'avez su avec ma Nintendo Switch, qui d'ailleurs est juste ici. Donc, que vous trouvez tous très louche. Moi, je la trouve très belle, d'ailleurs. Et pour le vrai, j'ai vu la grise. Et quand j'ai vu la grise, pour le vrai, j'ai été un petit peu comme surpris. Là. J'ai trouvé vraiment que c'était vraiment une belle console. Donc j'ai hâte de voir celle de Guillaume à côté là, pour qu'on puisse la comparer. D'ailleurs, on pourra le faire possiblement en fin de semaine si on se croise. Guillaume t'amènera ta fameuse console puis on pourra regarder ça ensemble. Donc OK, donc qu'est-ce que je fais ici? Excusez-moi, on va aller voir l'objectif de la mission. OK, donc c'est pas à bonne place pantoute que je suis, mais pas pantoute. On va retourner dans le... Excusez-moi, j'ai mal lu. Donc effectivement, Guillaume qui aime quand on se compare et que, bien sûr, il gagne. Donc ça, c'est certain, là. Vous connaissez Guillaume, vous le savez. Quand il a raison, dans le fond. Mais c'est vrai. Au début, là, j'étais vraiment... je doutais, franchement. Puis quand j'ai vu les grises, pour le vrai, c'est clair, là. J'ai hâte de la mettre à côté de celle de Guillaume pour qu'on puisse la comparer. Donc, effectivement, Georges, depuis que Kim est plus présente, il faut que quelqu'un reprenne le... D'ailleurs, je ne sais pas ce qui arrive avec elle, mais faut que quelqu'un prenne cette espèce de... Ce flambeau-là, le flambeau de la personne qui, justement, fait des quotes. Donc, OK, oui. Donc, passons par le côté un peu scanné dans une galaxie. Tout ça, je vais vous montrer ça, c'est quand même bien. Donc, si on arrive, exemple, sur une planète, celle-là, que j'ai jamais scannée, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un déplacement complètement comme ça. Donc, il y a une animation au niveau du déplacement avec un bruit d'espace. Donc, on arrive près de la planète et là, on doit aller la scanner. Donc, on voit un peu l'atmosphère, tout ça. Et là, il y a une anomalie. Donc, on va essayer de découvrir c'est quoi l'anomalie.
Ok, c'est ici. Donc on envoie une sonde. Yes. Donc, Metal Deposit, on a réussi à trouver. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur cette planète-là? La réponse, c'est non. Donc, le scanner me le dirait déjà. Donc, on n'est pas obligé de scanner la planète comme dans le deuxième, là, tu sais, de scanner complètement la planète comme on faisait avant. Donc, on va faire un déplacement vers l'autre planète pour justement aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dessus. Et des fois, notre scanner nous le dit, là, anomaly detected. Donc, on est capable de voir justement là, où il y en a, là. Donc, Murex qui le dit, quand on se compare, on se console. Ça dépend pourquoi. Et là, ici, jeu de mots avec le mot console. Donc, merci Murex pour... Donc, il semble rien avoir sur cette planète-là. Et, nope, absolument rien. Donc, planète de scanner. I'm picking up something, OK. On va aller voir juste ici, de l'autre côté. Donc, vous voyez, dans la même galaxie, c'est ultra facile de se promener d'une place à l'autre. Là, il y a zéro problème. Il n'y a pas le problème de fuel là, comme on avait dans le deuxième. Je crois même dans le troisième, il l'avait aussi de mémoire. Donc, on tombe sur la galaxie quand même super bien fait. Là. Anomaly detected. Donc, ça a l'air d'être quoi? Un genre de pièce de vaisseau? Oh, un satellite. Quête. OK, donc on a été chercher des ressources. Donc c'est la façon d'aller chercher des ressources. Et les ressources nous aident dans le jeu pour justement construire, faire des recherches et tout ça. Donc c'est vraiment avantageux. On va aller voir de ce côté-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a comme deux petites planètes l'une à côté de l'autre. Genre de lune ou je sais pas quoi, là. Okay. Non plus rien sur cette planète-là, donc ça écœure un peu. Il y a pas juste à côté ici, je peux pas comme y aller. Non. On va se déplacer juste là, puis après coup, un peu de combat que je vais vous montrer parce que je vais vous montrer que c'est vraiment, vraiment pareil comme dans les deux, dans les trois autres jeux. Après ça, on va faire un petit peu de multiplayer parce que je veux vraiment vous montrer le multiplayer qui est une addition quand même bien. Puis j'ai aimé qu'ils puissent le mettre dans le jeu. Tu sais que le multiplayer veut le dire de quoi éventuellement dans le jeu. C'est parce que dans le troisième, dans les deux premiers, il n'y avait pas de multiplayer pantoute. Dans le troisième, ils en ont mis un peu. Et puis, le multiplayer était... OK, donc ça, c'est vraiment la... Ça, c'est la planète qu'on vient de découvrir. Ça, c'est bien. OK, donc il y a... Probes launched. Tracking a huge mineral deposit. Oui, donc jusqu'à 120 heures avec les animations, effectivement. Par contre, je pense pas me rendre à 120 heures, honnêtement. Là, je pense que, en tout cas, ça me l'air d'un jeu que tu peux faire en peut-être facilement une quarantaine d'heures en ayant eu bien du plaisir, puis en ayant observé, puis tu sais, en ayant pas mal tout fait. Là. Mais, ben non, pas mal tout fait, mais je veux dire, en étant satisfait, disons. Là. Mais peut-être que c'est un petit peu plus que ça. Donc, yes. Donc, le 100% de la galaxie qui a été observée, donc vous voyez, c'est de la façon que ça se fait. Donc, celle-là a été faite aussi, tout ça. C'est bien. Donc, on va reculer. C'est d'aller voir, justement. Donc, de continuer l'histoire. Je veux vraiment vous montrer du combat. Là. Puis, j'ai aimé les petites animations comme ça. Au début, il me tapait ses nerfs, mais franchement, là, j'ai aimé les petites animations comme ça, de déplacement d'une place à l'autre, là, dans l'espace, comme ça. Je trippe là-dessus. Moi qui adore, là, justement, tout ce qui est espace. Puis, fait que... J'aime ça, là, l'idée qu'il était vraiment, t'as vraiment l'impression de te promener d'un endroit à l'autre. Là, c'est ça qui est bien. Yes, donc on va aller voir tout de suite la résistance juste ici. Anomaly on sensors.
against the Ket. I once took part in an attack on one of their bases. Sounds like fun. It was desperate. We won, but... J'espère que ça résonne pas trop dans le micro. Okay, bundle up, people. I'll stay on my nice warm ship. Yes. Donc on va choisir. Donc vous voyez sur mes armes, il y a des mods. J'ai pas trouvé de mods et j'en ai pas acheté non plus. Au début, je jouais avec un sniper et le fameux Avenger 2 que vous voyez là, qui est une mitraillette. Mais malheureusement, ça faisait descendre mon charging speed que vous avez en haut là, de 60%. Donc j'avais 44% de malus pardon, au niveau du charging speed. Donc j'ai décidé de... Et je suis pas bon avec le sniper anyway. Là. Donc je n'ai pas les talents de Guillaume. C'est pour ça que j'ai décidé de remettre simplement la mitraillette et le fusil. Mon armure comme ça, donc j'ai acheté le casque de N7, donc vous voyez le fameux casque. J'ai aussi, donc ici, donc mon équipage, lequel je vais prendre. Elle, je la garde tout le temps, Cora, parce que je veux la coucher éventuellement. Et lui, et elle est quand même très bonne, Vetra, mais je pense que je vais prendre justement Jaal à cause du que la mission le concerne. Donc vous voyez, je pourrais le mettre comme ça, mais je vais le garder en flasheux. Comme ceci. Donc, ça a l'air d'être pas mal ça. On y va de même. Take her down, Callow. Donc, la Tempest qui arrive. Dans le premier jeu, le vaisseau s'appelait comment déjà? Moi, je vous dis, j'ai un blanc de mémoire. Là. Je l'ai en modèle réduit ici, mais comment il s'appelait? Yes, c'est Torchounet qui se joint à nous. Merci d'être là, Torchounet, encore une fois sur Arcade Québec. Est-ce que t'es un fan de Mass Effect? D'ailleurs, je peux déjà vous annoncer une entrevue pour le prochain podcast, le podcast numéro 97. On aura une entrevue spéciale avec une personne qui ouvre un commerce là, sur la rive sud de Québec, le Normandie. Merci beaucoup. Yes, donc yes, c'était vraiment le Normandie. Oui, c'était vraiment ça. Donc, toutes mes excuses, je ne m'en souvenais pas. Donc, un commerce qui va ouvrir, un commerce geek qui va ouvrir cet été, qui est prévu en tout cas pour une ouverture cet été. Une entrevue spéciale qu'on va avoir, que je vais enregistrer demain. Et qu'on va réussir à mettre dans le podcast. Si c'est pas dans le podcast 97, ça va dans le 98, mais ça s'en vient. Un projet qui a l'air vraiment cool, j'ai hâte d'en savoir plus. Donc bien sûr, on est toujours limité à nous plus deux followers, donc deux personnages non joueurs duquel on peut donner des commandes, par contre, auxquels, pardon, on peut donner des commandes, ça c'est... C'est pas à bonne place. Chris, je suis pas à bonne place, c'est quoi? Travel to Avaral. OK, c'est bien ça. Je veux aider leurs scientists, mais leurs scientists, c'est pas sur cette planète-là qu'ils sont, sacrament. OK, Meet the Resistance, c'est bon, excusez-moi. Donc, j'étais pas sur la bonne mission, donc let's go. Donc, on va aller voir la résistance. Oh, OK. Donc, vous voyez à gauche, là, j'ai un genre de quelque chose qui descend, là. Donc, ça veut dire que je peux pas rester trop longtemps sur... OK, fait qu'on va prendre le fameux vaisseau. On n'ira pas à pied certain là. On peut pas commander notre fameux vaisseau là. Je peux pas faire venir le vaisseau sur. Non plus. Fuck. J'espère que je vais me rendre. La fille n'a pas besoin de casque, elle est badass, clairement badass. D'ailleurs, c'est un ancien commando Asari. Donc, c'est pour ça qu'elle est aussi badass. Les Asari, c'est les bleus que vous avez vus tantôt, les gens avec la... Oh, fuck, 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 fuck! Fail! Super fail!
OK. J'avais pas vu que c'était aussi bas. Non, OK, c'est pas bon, non, c'est pas un endroit où on peut passer avec le vaisseau. Oh, il y a quelque chose là. On va aller voir. Vous êtes bon à rien! Merci. Yes. Donc, l'iridium, qui était ce qui nous manquait tout le temps dans les autres jeux. Life support systems are in peril. Yes, donc on va se réchauffer un petit peu. Moins 52, yes. Ok, c'est-tu des méchants ou c'est des bons ceux-là? On sait pas trop. On va se dire que c'est des bons. Yes, donc si tu te mets devant ça, c'est des affaires pour te réchauffer. Ouh, yeah! Donc j'aime l'idée de... OK, donc comme dans Zelda, le fait que tu puisses avoir froid, puis que ça te prend une meilleure armure, donc ça c'est bon. Donc remarquez la musique aussi dans ce jeu-là. J'ai toujours adoré la musique vieux film de science-fiction des années 70 de Mass Effect. C'est toujours merveilleux. Surtout quand tu meurs, ça fait un genre de dum 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 boum 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 comme ça, là, qui est vraiment typique des vieux films des années 70. Good to see you again, Commander Dalziel. And you, John. This is the alien. The one you think can help us. Yes. This is Ryder, of the Andromeda Initiative. I am Anyik Dozeel. Remember the name, because if you betray us, I will kill you myself. Okay, merci, yay! Be assured that what I do to you will make the stars turn their faces and grow dark. I have no intention of betraying you. Say what you want. It is the hands that reveal true intention. If you wish to prove yourself, be an ally in our fight against the Ket. Inquiète-toi pas, on a buté en masse du quête depuis le début de ce jeu-là, fait qu'on va on va continuer à en tirer pour vous autres, mes amis, sans aucun problème. Jarl, watch them, and be careful yourself, my friend. I always am. Cool. OK. Donc, plusieurs missions qu'on pourrait ramasser ici, mais là, je vais vous montrer du combat, donc je vais essayer de clencher ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ok, un datapad, yes. On va lire ça plus tard. C'est bien. Temperatures are below freezing and continuing to fall. On va chercher des balles. It's good to be back. I have friends here. Let's try to make a good first impression. But I brought the snack. Whoa! Didn't mean to sneak up on you. J'ai pas. L'as-tu écouté, Guillaume, Iron Fist? Moi, j'ai vraiment rien écouté de ça, puis je trouve que c'est un personnage de marde. Fait que, honnêtement, je pense pas l'écouter, mais il y a un collègue au bureau qui m'a dit qu'il avait aimé. Mais moi aussi, je veux au moins lui laisser une chance d'un ou deux épisodes. Oui, on peut vous montrer la vallée. Qu'est-ce que vous cherchez? Je veux prouver que je suis ici comme un allié. Ça signifie combattre Ket. Head in any direction and you'll hit Ket eventually. They're all over Vault. Like Quertz, but with guns. Je sais pas, honnêtement, j'ai rien vu. Je connais, tu sais, moi, j'étais un fan de Marvel dans le fond, là, puis je connais zéro pin bar de ce personnage-là. OK. What are those red lights down there? Oui, parce qu'il paraît-il que, justement, il se bat pratiquement jamais, en tout cas au moins dans les deux épisodes, des deux premiers épisodes, il paraît que c'est juste du blabla. Those lights are conspicuous. Don't the Ket attack? We've adapted to that, too. The Ket want to take us alive, so we fight to the death. It seems to deter them.
What's that alien facility on that mountain over there? That's the Ket Command Center. We have constant eyes on it. J'ai vu aujourd'hui sur Netflix qu'il allait peut-être avoir une série de Assassin's Creed, ça se peut-tu? Ou je suis tout seul à avoir lu ça? Que Ubisoft dit que peut-être que ce serait sur Netflix, donc, mais qu'ils veulent vraiment faire une série de Assassin's Creed. J'ai pas vu le film, par contre, mais les critiques étaient tellement pas bonnes, j'ai hâte de voir si ça va être bon ou pas, là. Ouais, Death Note, ça pourrait être pas pire. C'est pas un super-héros que je connais épouvantable non plus, là, mais ça pourrait être bien. Ouais, effectivement, c'est sûr que ça prend de la mise en situation dans une... Ça, c'est clair, là. Je veux dire, ça prend du blabla un peu au début, ça, c'est clair, mais... Tu sais, faut quand même, une affaire de super-héros, que tu mettes de l'action quand même rapidement, là, sinon... Ben, tu sais, à un moment donné... Yay! Donc, je vais être capable de prendre mon fameux vaisseau. Mon nomade en question. S'il vous plaît, donne-moi le nomade. Ok, Sam, qu'est-ce que Vold a pour nous? Activity appears to be centered around this large central command. On va aller vider ça, mon ami. According to Resistance Intelligence, the base coordinates all Ket military efforts on Vold. And taking it down will cripple their operations. In theory, however, given the trouble the Angara Resistance has had infiltrating the base, it will not be a simple task. I recommend a more. C'est-tu vraiment seulement une fois par jour qu'il peut utiliser son Iron Fist? C'est-tu vraiment, vraiment vrai? Un seul coup de poing par jour ou c'est ton interprétation, Guillaume? 24 heures cooldown, ça serait poche un peu. Sounds good. Thanks, Sam. Pathfinder, Vold's temperature range is fixed well below freezing, with pockets of even more severe conditions. This necessitates the use of the Nomad. I advise against prolonged exposure to the cold. Got it. Don't crash the car. Our scans have detected remnant monoliths, which suggests the presence of a Vold. Il y aurait un Vold là aussi. Oh yeah. All right. We've got our work cut out for us. Let's get going. Donc, oh yeah. Il est moins shiny un peu avec de la neige dessus. Oh, on dit que j'aime ça me promener avec. Follow the lights, Ryder. Follow the lights, yes. Please be careful, Ryder. On va suivre ça, ces lumières-là. Oui, monsieur. Ça s'en va par là-bas, tant mieux. Parce que dans le fond, là, je pense qu'il faut pas que tu oublies... Et fuck. Faut pas que tu oublies l'auditoire auquel tu parles quand tu fais quelque chose de jeu vidéo, tu sais. Oui, puis il est dessus, le tabarnak, toi. Ouais, mon astuce de calice. Yo, yo, yo. Moi, je suis plus le pilier dessus, je l'ai pilé dessus. Putain, ma gang de tabarnak. Non! Non! Fuck! Je vais le mettre sur le 4x4, on va remonter ça. Je peux dessus? En tout cas, il monte, esti. Let's go! Ah, ça c'est un 4x4 efficace, mes amis. Oui, donc je l'ai mis en fonction 4x4 puis j'ai réussi à remonter. Je suis très fier. Donc on va sortir de là. Let's go, let's go, let's go, let's go. Putain, ma gang de tabarnak. Non. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est des commandes comme ça. Donc, je leur demande toutes les deux d'attaquer de ce côté-là. Comme ça. Fuck. Grenade, grenade, grenade. Et je leur demande de concentrer les deux, le feu, sur la même target. Comme ça, c'est plus facile. Je
comme ça je peux me concentrer sur les autres simplement. Donc un 6 par 6, yes. J'ai dit 4 par 4, c'est ça, c'est vraiment un 6 par 6. Et oui, level up. Ça c'est très bien. Donc on va aller voir si on peut pas scavenger quelque chose. Non, ils ont rien sur eux autres. C'est bien. Donc on retourne au vaisseau pour être sûr de pas geler. Donc, on l'enlève du 4x4. Donc, on va aller voir ça. Il n'y a plus de lumière. Par exemple. Oh, yes! Une petite mécanique le fun. On peut envoyer. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Donc, on va envoyer une sonde ici pour miner l'endroit et ça va nous donner des ressources. Donc, ça aussi, c'est intéressant quand on se promène. On peut, il y a un genre de scanner sur notre vaisseau pour ça. Ça, c'est super bien. Donc, on continue à explorer. Il n'y a plus de lumière rouge, mais on va être capable de passer probablement ici. On va enlever ce 4x4 pour rien. Boum, c'est bon. On va passer autour, juste là. Ça semble être la bonne place, je crois. Donc j'adore vraiment me promener avec ce véhicule-là. Il y a de l'activité ici. Okay, ça, c'est de la glace. Je sais pas si je vais être capable de... Ça va tenir. Yes, ça tient. Qu'est-ce que c'est que ça? Genre de dinosaure à la Horizon. On peut-tu le frapper? Non, j'ai manqué. J'aurais vraiment voulu le frapper. Rien, on t'a la fin. Non, on dirait que je peux pas le frapper. En tout cas, ça a pas l'air de faire grand chose. Your people have plans to settle here. You seem easily affected by the cold. Can you imagine the heating bills if we settled here? Bon, effectivement, j'ai scratché pas mal la peinture, mais que veux-tu? Ma belle peinture, hein, duquel j'étais trop fier. Donc on se met sur le 4x4 et on monte comme c'est sur le 6x6, excusez-moi. On va contourner, le but c'est de se rendre jusqu'à là-bas. Oui, ma belle peinture toute flashy là. On contourne pour être sûr de ne pas voir trop de crottés. L'environnement est quand même assez vaste, là. C'est quand même big, là. Puis c'est calissement bien fait de l'extérieur, là. Moi, j'adore ce vaisseau, là, c'est sûr. Là. Donc, est-ce qu'il y a des crottés ici? Oui, il y a un petit camp de crottés juste là. On va essayer de les sniper d'en haut. Comme un pleutre. Ouais. Peut-être les contourner, simplement. Yes, les contourner comme ça, c'est bien mieux. Pas de combat, plus intelligent, ça fait job. Ok. Donc. Fuck. J'aurais pas le choix de passer par là, je pense bien. À un moment donné, tu peux plus contourner. Ils sont où, ils sont où, ils sont où? Making note of anything I can see from out here. Entrances, exits, possible weak spots. If there's any way we can help the Angara deal with the Ket, we're gonna do it. We haven't been able to take down any of their defenses.
Many lives were lost track. That's a signal beacon, used by Angaran civilians. It's a distress call. Got it. We should see if we can lend a hand. On va aller investiguer ça, certain. Donc, un signal de détresse. Oui, John the Fright Brother. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Fuck, j'ai comme pas de... comme pas d'endroit où me placer, tu sais. Continuez à le grêler, les amis, c'est beau. L'autre à côté, tu sais. Elle est à côté d'eux autres en train de les frapper, tu sais. Bon, ben c'est bien ça. Donc, des balles juste ici. On a réussi quand même à bien éclairer ça. Effectivement, it's a trap. Non, c'était pas un piège. Tant mieux. Donc, y a-t-il quelqu'un à qui on peut parler juste ici? Ben non, je voulais pas la frapper quand. Rien pour faire ça. Elle est comme jamais là, je sais pas pourquoi. I'm detecting below normal temperatures. Thank you for the assistance. Any enemy of the cat. What is this? We thought there were civilians who needed assistance. Not this time. This was the resistance giving the cat what they deserve. There's a group that's been attacking shuttles, killing and scavenging. C'est beau, c'est beau. On a compris. Les quêtes, c'est les méchants. C'est vraiment les gros méchants. C'est beau, c'est beau. Pa 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 pam pam. Clever trap. Looks like they fell for it. But it's still a dirty move. More civilians might suffer because of it. Enough talk. We have more Ket incoming. Donc, qu'est-ce qu'il y a sur lui? Oh yes. Ah ben yes. Ah ben ça, c'est très bien ça. On va l'équiper, vous voyez. Donc, j'ai une armure 4 maintenant. Oh, yeah! Fuck, il y en a d'autres. Ah! Non, ah! Il y en a d'autres partout. Pourquoi je me cache? Encore, il se cache tout. Bon. Fuck, fuck, fuck. J'ai comme chier dans la panne avec ça. Derrière le mur qui est là. Crève mon tabarnak. Fuck, on se fait entourer complètement. Fait chier ça. Bon, c'est ça qu'il faut faire, donc combiner le tout. Ok. Bon, effectivement, j'ai attrapé le rhume en jouant au jeu tellement que... Yes, donc il est mort, il en reste où? Ok, donc on dirait que cette fameuse armure-là, c'est une armure que tout le monde porte. Non, je sais pas ce que c'est passé. Moi, j'étais à pêche à la glace en fin de semaine, puis pour moi, c'est là que j'ai pogné cette fameuse... J'ai eu froid, qu'est-ce que tu veux, là, je sais pas. Mais pourtant, il faisait tellement beau samedi, là, c'était hallucinant d'ailleurs. Si vous n'êtes pas sorti samedi passé, vous avez un méchant problème, il fallait sortir, c'était juste malade mental. Comment qu'il faisait beau?
Ok. Donc. Une petite. Un. Ça, c'est bon. Donc, c'est parfait. Donc, ça, c'est beau. On va retourner dans notre fameux vaisseau. C'est d'aller éclairer à la place. Doudoum, doum, doum. On va se mettre sur le 4 pattes, monter ça. Sur le 6 pattes, excuse. Passer par le pont qui est juste ici. Okay. Vu que je suis un rebelle, on va y aller comme ça. Rebel, rebel. Na-na-na. Ok. Yes, on te colle ça sur le 6 pattes, on monte jusqu'en le bus d'aller vider ce place-là. Donc on va essayer d'éviter ça, cet hostie de j'allais dire de robot, de dinosaure là. Ok, donc ça c'est très bien. J'espère être capable de clearer toute la base, de vous montrer ça. Donc ça n'a pas marché. On peut pas faire ça. Je croyais être capable de faire ça, mais finalement, ça scrape tout. Donc c'est d'aller faire le tour de l'autre côté. J'aurais dû passer par le chemin régulier. C'est que c'est ça, en plein milieu. Ok, c'est un genre de outpost qu'ils ont. Ah, c'est bon ça, une genre de petite colonie qu'il y avait dans le coin. Activating automated forward station deployment. Zelda, tu sais plus où elle est. Il a tellement l'air vaste, Zelda, là, c'est hallucinant. Là. Puis, tu sais, ils ont pas l'air de tenir par la main. Là, fait que c'est pour ça, d'ailleurs, que je me suis pas, j'ai pas commencé à y jouer de façon assidue. Ok, donc une belle petite place. Un petit village. Parfait. Donc moi, ce que je veux, c'est pas chiller dans le village, mais aller killer des estis de mongols. Environment check. Temperatures are within acceptable parameters. Robbie. C'est un personnage dans le jeu, dans Zelda, ça, Robbie. Ok, donc on va aller les écœurer. Fuck, cache-toi, c'ti. Ok. Donc le fameux truc Mass Effect, hein, toujours avec la singularité comme ça, d'aller faire lever puis
C'est ce qui est complètement jouissif dans le jeu d'ailleurs. Je peux-tu monter? Comment on peut monter là-dessus? Fuck! Je vais descendre, j'ai pu monter. Fuck! Donc je vais être obligé de les niaiser. Parce que là, Cora, elle s'est faite comme dégommée. Let's go, sur ta petite crise de tête, let's go! On va aller se cacher, il nous reste presque plus rien. Ok, donc là ça paraît mal. T'es vraiment rendu à 14 cœurs déjà. T'as joué un petit peu, je pense, Guillaume, ça se peut-tu? Cache-toi. Je pensais que ça allait être facile, ce petit outpost-là, là, mais avec les deux qui sont morts, ça va pas bien. Ok, donc Guillaume, il dit qu'il y en a 5 seulement. Okay. Parce que c'est quoi, jusqu'à combien tu peux te rendre? Genre une vingtaine de cœurs, je pense, au total. Yes. Donc, j'ai réussi en étant un peu plus têteux à les dégommer. Ça a bien été. Y a pas grand chose ici, hein? Qui semble pas avoir de coffre ou rien. Non, donc on va rembarquer là-dedans. C'est pas ça pantoute, c'est pas mon truc ça. Pépé. Donc dans celui-là, on peut pas prendre le truc des autres. Donc on va essayer de pogner ça sur le côté pour aller justement dans cette grosse base-là, histoire de faire du ménage. Ça ici. Pathfinder, I detect cat among the salvage. Ok, donc on dirait que j'avais comme pas rapport là. Là.
motherfucker. Cache-toi. Chris, pourquoi il se cachait pas? Voyons, mes deux chums, ils crèvent tout le temps. Ils sont vraiment crissement mauvais, là. Je pense que mon shield revient quand même rapidement. Il y a lui là, qui risque de me faire du problème. Let's go. Mon tabarnak. Ça, c'est beau. Qu'est-ce que c'est que ça, ça, Calis? C'est quoi? Ou je le prends ou je peux-tu le, comme le monter, non? Puis il n'y a pas l'air agressif. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ils ont l'air de tirer dessus là, mais moi je veux pas tirer là-dessus, Carlis. Pardon. Je pense en plus que j'ai presque plus de balles. De buggy, je sais pas c'est quoi cette petite cochonnerie là, mais... c'est pas agressif, je vais juste sacrer mon camp. Aide-le comment? Aide-le en... De quelle façon? En l'abattant, t'as fait bien ça. Donc c'était calissement mal fait, mais c'est ça, c'est la vie, c'est les jeux. Donc, après coup, comment je vais aller rechercher mon fameux véhicule? Je pensais pas que cette mission-là était aussi longue, mais mon véhicule est crissement amoché. J'espère que ça va s'éteindre avec le temps. Donc la glace. Ça, c'est un mercy killing, effectivement. Mais je comprends honnêtement pas c'est quoi, c'était vraiment comme semi. Là. Fuck, encore un truc qui me tire dessus, Carlis. Donc faut que j'y aille un petit peu. Fuck! Faut que j'y aille un petit peu plus, disons, discret que ça là, dans mon approche. Donc, c'est de pogner outpost par outpost en y allant. Puis, pour pas se faire démolir de même, là, de cette façon-là. Ce que je voulais faire, je sais pas si je peux le faire à partir d'ici. Yes, je vais retourner au Tempest dans mon vaisseau. Ce que je voulais faire, c'est vous présenter un peu de multiplayer dans le jeu pour voir comment ça va. Oui, effectivement, je peux me réchauffer à partir de mon vaisseau direct qui est en feu. Donc, je retourne au Tempest. Je reviendrai à ça là, dans ma game régulière. Je veux vous montrer un peu de multi.
Donc, le jeu multiplayer, pour vous montrer un peu ce que ça a l'air, puis justement, l'interaction qu'il y a avec le jeu réel. Donc, quand tu reviens du multiplayer, quand tu y vas par le jeu, ben, tu es capable justement d'aller chercher... Ça a débugué. Tu es capable d'aller chercher un peu de, des goodies en jeu. Donc, c'est ce que j'ai trouvé quand même intéressant. Il faut que la porte ouvre, par contre. Yes! J'ai pas vu de différence entre le Xbox One et S, puis le Xbox One régulier non plus quand je l'ai joué. Donc, je vois pas de différence là, entre les deux. Je pensais peut-être voir une mini-différence. Donc, je vais sélectionner cette mission-là. Je vais la faire en multi. Donc, je me suis préalablement là, fait un personnage en multiplayer. Donc, on va aller voir qu'est-ce que ça donne. Préparez-vous à rire parce que je suis crissement mauvais quand je joue en multi. Donc, je ne sais pas si vous voyez ma tonne de Kleenex qui est ici. Non, vous ne la voyez pas, tant mieux. Yes, donc je vais y aller pour la plus facile des rewards, là, histoire de au moins tenter d'en finir un. Je ne suis pas obligé d'en créer un. Dans le fond, ce que je peux faire, c'est simplement en joindre un. Non, je vais rester en multiplayer. OK, c'est bon. Donc, quick match, simplement en bronze. Let's go, mon ami. Merci beaucoup. Merci. Je suis bien content que vous soyez prêts à rire de moi. D'ailleurs, on ne te fait pas un podcast sur le jeu vidéo et des streams si tu es sensible. OK? Parce que sinon, ça va mal un peu. Shot d'eau. Ouais, des tonnes de Kleenex à côté d'un ordi. Vrai geek. Alors, c'est un fluide corporel, mais c'est pas le, celui que vous pensez. On dirait que la game est déjà commencée. Ok, donc, crotté là. Donc, toujours les fameux quêtes là, qu'on crisse des volets à, comme on dit. Fuck, y'en a un autre là, calice. Yes, donc toujours l'avantage, hein, c'est des waves d'ennemis qui apparaissent. Donc, on joue avec nos trois compatriotes. Donc, l'idée est toujours de jouer vraiment les plus près les uns des autres pour être capable de s'aider au cas où il y en a un qui tombe. Okay, c'est ça, cette espèce de... Fort, là. Donc, yes, je suis bien content qu'il soit fort, comme ça je vais pouvoir. Non! Ah, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi cette affaire-là? Aidez-moi, quelqu'un, non! Ok. Donc, j'ai eu peur là-dessus, hein. Des balles juste ici. D'ailleurs, quand on passe à côté de la balle, de la boîte de balles, comme ça nous redonne automatiquement des armes. Des balles, c'est pas... on n'a pas besoin d'appuyer sur un bouton ou rien. Là, ça refill de façon automatique. Ça fait un petit peu penser à Gears of War, oui. Ils sont used à l'extérieur de la boîte, donc, mais ça vient de mon nez, ok? Ça sort de mon nez, de mon nez. Hey, t'as pendant qu'il va-tu crever, là? Fuck! Donc, il y en avait un derrière moi qui est en train de me gonner et je suis mort. Un petit peu penser à Destiny, oui, mais c'est moins rapide que Destiny, là. Pardon. Ah, fuck, il m'a éclaté la tête, c'est le fun. Donc là, mes coéquipiers vont finir le round et après coup, je vais pouvoir revenir. Donc, yes.
peux vous montrer un peu leur justement leur équipement. Ce ne sont pas leur premier match. À leur premier match, ça c'est sûr. Et quand tu connais bien la map, ben, c'est sûr que ça aide énormément. Là. Et oui, effectivement, visuellement, ça fait penser un peu à Destiny, clairement. Destiny, d'ailleurs, que j'ai acheté une édition spéciale. J'ai acheté l'édition... je l'ai pas encore déballé. Où c'est que je l'ai mis? Je sais plus exactement c'est où, mais... Je l'avais acheté pour donner en cadeau. Ah, quel volet, yes! Donc, il y en a qui ont du talent. Plus que moi, disons. Ah, leurs armures flash en malade, là. Des espèces d'armures d'aliens comme ça, là. Yay, wave complete. Puis là, moi, j'apparais comme ça, comme un pleutre. C'est beau, les gars, vous avez bien fait ça. Donc, je vais me trouver des balles. Les balles, ils étaient où tantôt? Ils étaient ici. Yes. Fuck, là, je viens de vous recroter là-bas. Rester avec eux autres. Ok. Non plus. Donc oui, le cover se fait de façon automatique. Dans le fond, quand tu arrives à côté d'un objet, là, c'est... Il se cover automatique, le personnage. Donc ça, ça peut être tannant. Par exemple, j'aime mieux y dire, puis tenir un bouton. Ben, pas tenir un bouton, mais y dire. Puis qu'il se cache, là. Il n'y en a pas de crotté qu'il y en a un là. Bon. On va essayer de suivre. En suivant de la gang là, qui a des mouvements vraiment hétéroclites, qui ont l'air de connaître la map solide. Là. Attends. On l'a eu. Il y en a un derrière moi, je sais pas où. Non. Fuck. T'sais, c'est de l'autre bord de la porte. Tantôt, je le tire, puis... Crève, mon tabarnak. Voyons, c'est quand même mal fait. Je me suis comme fondu dans le décor. Bon, ce genre d'animaux-là me font vraiment chier, là. Ces genres de bébites de marde-là. Là. Bon, yes. Donc, j'ai vraiment presque rien fait. Yes, même le porteur d'eau fait partie de l'équipe, ça c'est moi. Eh oui. Donc, yes. Des hameaux juste ici. Fuck, je peux pas passer par la fenêtre, bien sûr. C'est de retrouver les chums. Les chums, vous êtes où? Ah, y'en a qui me tirent dessus. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ils sont là. Yes. On va l'avoir. Ok, ça me stun quand ça revient.
Yes. On va l'avoir à gang. Cette petite machine-là, c'est la première fois que je vois ça de ma vie, mais je capote un peu. Il a l'air de ce genre de se régénérer avec son espèce de boule qui est autour de lui, là. Qui s'accroche pas? Accroche-toi, Chris. Il est pas s'accroché en haut banc. De balles. Où c'est qu'il y en a? Juste ici. Merci, merci, merci. Merci, monsieur. Donc, si j'en gagne une, ça va être la première que je vais gagner à vie. OK? Fait que... solide. Faut que je décrisse 17, faut que je décrisse, faut que je décrisse. J'étais tout seul devant de même, là, ça marche, mais vraiment pas, là. Yes, donc on va aller chercher le fameux signal, donc downloader ça. Donc, effectivement, il fallait que j'y tire dans la boule, mais j'ai pas tiré dans la boule, fait que ça a pas aidé. De toute façon, je pense que mes armes sont pas assez fortes pour être en multiplayer. Faudrait vraiment que j'aie d'autres types d'armes un peu plus fortes que ça, disons, qui font un peu plus de dommages. Là, je suis en train de mourir, et il va me piler sa tête, le tabarnak. Ah, fuck you. Fuck you, man. Fuck you. Donc, on va regarder les autres terminer, puis de toute façon... peut-être en faire une autre, là, puis après ça, ça va pas mal mettre fin au stream d'aujourd'hui. Je pense que ça a bien démontré c'est quoi Mass Effect. Ça veut pas dire que j'en ferai pas d'autres, parce que j'adore le jeu, honnêtement. J'aime vraiment cette série-là. J'aime trop intensément cette série-là, d'ailleurs. Oh, OK. Donc, tout le monde est mort. J'ai jamais vu quelqu'un finir un match en multiplayer. Jamais, même pas une seule fois, là. Tu sais, dans le fond, fait que c'est un peu poche, hein. Oui, mais effectivement, les finishings font vraiment penser à Gears of War. Je pense qu'il y a une influence directe de Gears of War, ça c'est clair. Les gens de méchants aussi, les gens de boss cheapo le font aussi penser à Gears. C'est un mélange. Il y a aussi, je trouve que des fois les environnements font aussi penser à Halo. Donc, tu sais, les deux jeux mélangés, disons. Voyons ça comme ça. Donc, une autre petite game de multiplayer, puis après coup, c'est Terminos. Donc, ça va être le stream d'aujourd'hui pour le mercredi Twitch numéro 60. Donc, c'était le 60e aujourd'hui. Donc, ça fait 60 semaines de fil qu'on fait des mercredis Twitch. Yes, c'est là qu'on peut muter les gens, j'aime ça, parce que j'aille ça les entendre parler pendant que je joue.
D'ailleurs, on les entendait pas, je pense pas. Oui, donc j'ai 4000 points, puis l'autre en haut de moi en a 8000. Donc vous voyez tout de suite que je suis probablement celui qui, dans le fond, était le boulet de l'équipe, clairement. Effectivement, j'ai pas réussi à ramasser quelqu'un. Par contre, même que je réussisse à le faire, ce que je ferai, je vais possiblement... C'est parce que là, je suis malade. Là, je suis vraiment mal à la tête. Mais si j'étais pas malade, j'aurais tenté vraiment de ramasser au maximum. Mais j'ai pas réussi. Même que je ramasse, je vais probablement l'enregistrer avec la fonction d'enregistrement sur Xbox, puis après coup, peut-être en mettre un vidéo sur notre page YouTube, sur notre chaîne YouTube. Ça pourrait être crissement drôle. Surtout si c'est une romance qui n'a pas de but. Le but, c'est toujours d'arriver avec une romance la plus imbécile. Ça risque d'être ça. Sur Enox dans Zelda. Je connais pas. Donc... Je suis tout seul dans cet environnement-là, moi, là. Okay, donc, j'espère que je ne suis pas tout seul, parce que sinon, là, je semble être tout seul dans ma game et ça risque d'être réellement tough tout seul, même pour la Wave 1. Prendre mon 12. Ok, quand je vous disais que je suis pas assez fort, je pense que c'est véritablement vrai. Et il y a personne d'autre avec moi dans le... Ben voyons donc, y a-t-il des problèmes déjà au niveau du multiplayer dans... Ben voyons donc, tabarnak. Y a-t-il déjà des problèmes au niveau du matchmaking en multiplayer où c'est les gens qui veulent pas jouer avec moi parce que je suis trop bas niveau? Deuxième option, peut-être. C'est possiblement la deuxième option. Donc, yes, on a redémarré. On a. Guillaume a reseté mon ordinateur et ça semble fonctionner bien. Il n'y a pas eu de. Ouais, c'est probablement la pire game, la plus cool, la plus petite game de l'humanité du jeu. Donc, dans le fond, c'est la plus petite game jamais hostée de l'histoire de Mass Effect Andromeda. Possiblement. Donc, de la jeune histoire de Mass Effect Andromeda. Yes, salut Matt. Salut Saint-Sinner. Merci d'être passé. Puis on se croise au bureau. Merci beaucoup. Hein. Salut. Puis je te promets que je vais dire un mot vulgaire demain en formation. Garanti. D'ailleurs, je parle de l'article 46 de la loi. Donc, ça risque d'être vulgaire. Dans le fond. Tu sais, je veux dire. Donc, ça, c'est sûr, sûr, sûr. Donc, on attend un peu le matchmaking pour faire un dernier, une petite dernière game. Ah, oh, je suis assez dur avec moi, inquiète-toi pas. Ah. Ok, je vais vous laisser être difficile avec moi, c'est bon. Pardon. Donc, on attend encore une fois. Regardez ce que je vais faire. Je vais quitter la mission. Je vais sortir du lobby puis je vais rentrer dans un autre. Peut-être que là, ça va mieux fonctionner. Mais c'est bizarre, le multiplayer est vraiment tough, honnêtement, parce que je vous le dis, j'ai jamais, même le bronze, j'ai jamais réussi à le remporter. Donc, même pas une seule fois, puis j'ai même pas vu des gens le faire en m'ayant comme boulet, là. Donc, yes, ça décolle. Donc, ça semblait être un bug tantôt, là, j'étais sur le mauvais serveur ou quoi que ce soit, là. Ok, il y a des covers qui peuvent se détruire. Oh, ça, je ne le savais pas, par contre.
Yes, je commence pas mal à avoir mal à la tête. C'est super, ça. Yay! Donc, je vais faire une... la fameuse grippe qui se continue. Mais c'est vraiment pas une grippe, là. C'est genre de rhume plus qu'une grippe. Parce qu'une grippe, tu sais c'est quoi quand t'en as une, disons. OK, donc on va essayer de rejoindre la gang. Où est la gang? Ils sont ici. OK, cette map-là, je l'ai déjà vue. Je vous dis pas que je la maîtrise, mais je la connais au moins. Ça risque d'être moins pire un peu. OK, donc on va les suivre eux autres. Il y en a un qui est dans la place, est-ce-t-il? Crève-moi, sacrement. Yes! Je l'ai surpris légèrement. C'est là qu'un sniper aurait été intéressant. Il m'a passé à côté comme s'il n'était pas là. Il y a quelqu'un qui me tire dessus, que je sais pas, il est où. C'est lui. Mais on crève, est-ce que c'est de calice? Ce qui est pas fort, ce gun-là, c'est débile. Bon. Yes, donc ça c'est bon. Première wave faite. Yes, donc j'aime bien ça. Être deux comme ça en haut, là, on se cover les deux, j'aime ça. On swatch. Ils s'en viennent toutes par en avant nous autres. Ça, c'est un bon signe, c'est bon ça. Ça veut dire qu'on est bien placé. Donc si les autres bougent pas, je pense qu'on va être correct, on va les avoir à l'usure.
Yes. Three left. Go get him. One left. On enlève ta petite crise de tête, let's go. Fuck. Yes, donc ça va me prendre des balles. Chercher ça. Les balles, ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Sources say key data is scattered around this area. Find and recover that data. On va retourner en haut avec eux autres. Fuck, ils courent après. Yes. I'm reading a flat line. On my way. Tabarnak. Crap, voyons, c'est quoi qui m'a, il m'a locké? C'est quoi, je comprends pas là? Bon, ben c'est bien ça. Yes, je commence à comprendre un peu mieux. Donc j'ai de l'espoir de passer celle-là là, avec cette équipe-là qui a l'air de se tenir. J'ai espoir. Et on s'y monte. Des balles. Let's go. Phew! Ok, c'est bon. Faut essayer de pogner lui. Il crape une shield, le tabarnak. Shield down.
Phew. Mon côté grêleux, complètement inutile. Parfait, ça. Il y en a un juste en bas de nous autres, mais je suis pas capable de le pogner. Pour rien, mais quand même. Just three hostiles remaining. Ok, reste 3 hostiles seulement. Ok. Yes, c'est beau ça. Donc on va monter ici. Donc ça, c'est la wave quoi. Il y en a combien de waves, hein? Il y en a 5, 6. Je sais pas, je me suis jamais rendu là. Ok. 5 une fois, mais 6 jamais. Je pense pas, je me souviens pas. Donc. Qui enlève les shields, puis l'autre il frappe. Fuck. Non. Ah, vraiment, c'est en train d'essayer, hein, mais. Fuck. Ah, j'ai vraiment été un boulet encore une fois là-dessus. Maudit tabarnak. Je suis vraiment mauvais. Elle peut plus me raviver malheureusement. Hey, c'est vraiment tough honnêtement. Là. C'est un des multiplayers les plus tough contre en wave comme ça que j'ai fait. Là. Parce que normalement, t'es supposé. Tu sais, à bronze, là, t'es supposé être capable de facilement le faire. Là, en tout cas, relativement facilement, disons. Espérant qu'ils réussissent. Mais ça m'étonnerait à deux, ça doit être tough. Chris, y'en a donc ben des estimes monstres. Juste pas de crise de bon sens. Là. Yes, le gear, tu le modifies. Non, mais t'as pas de... C'est ça, le gear, tu peux... Oui, effectivement, le gear, tu peux le modifier. Là. Après coup, c'est juste que, tu sais, faut que t'empognes du crise de gear, puis faut que tu gagnes des matchs pour être capable de gagner genre de gold, là, l'argent, là, des genres de devises, là, pour être capable de gagner, justement, de... Tabarnak, je suis pas capable d'en gagner une. Fait que je monte de niveau, mais super tranquillement. Puis ça me donne pratiquement rien en termes de. C'est vraiment en poche. C'est trop difficile au début, disons. En tout cas, c'est peut-être moi qui est vraiment pourri, là, mais c'est trop difficile au début. Je suis pas capable de monter, comme. Ouais, c'est la petite cercle vicieuse tout le temps, ça, là. Là, faut que tu joues. Puis là, finalement, ben, ce qu'ils veulent, c'est que j'imagine qu'éventuellement, tu payes pour... parce que tu peux, il y a des microtransactions. Là, tu peux payer pour aller chercher
meilleures armures et tout ça. D'ailleurs, j'en ai, je crois, avec le pre-order, là, j'avais, je crois, des genres de crates de... J'ai pas été explorer c'était quoi, là, j'aurais dû peut-être, ça aurait été une bonne idée. Des genres de box, là, avec peut-être des armes dedans, ou en tout cas du stock, là, je peux pas dire exactement quoi, là, mais... Parce que je les ai pas ouverts encore. Mais j'aurais dû, possiblement, avant le stream, aller chercher ça. J'aurais peut-être eu l'air moins cave. Ouais, c'est ça que moi aussi, yes, ils l'ont passé. Moi aussi, ben moi, je suis ça qu'à tous les shooters en général, je te dirais, là. Mais avec une manette, moi, j'aime bien la manette. C'est sûr que avoir à choisir, j'irais avec une souris, là, mais j'ai pas assez un PC assez bon pour jouer vraiment. Puis, jouer sur PC, honnêtement, ça m'énerve un peu. Je suis pas comme Guillaume, là, parce que j'aime ça, la facilité du gaming, tu sais, de console, là. Crever le colis. C'est le fait que tu crisses le jeu dedans pis ça marche direct. Ça va être moins beau, les contrôles sont beaux, on va être moins bon, tout a l'air moins correct. Là. Mais garde vive la console. Pour ça là. Quand même calissement bien sorti, je trouve, avec toute cette gang de robots-là dans le cul, là. Fuck, il m'a pilé sa tête. Ah, ils vont vraiment dire que j'étais un hostie de moron de navet, là. Ils ont deux des trois objectifs de fait. J'espère qu'ils vont réussir. On dirait qu'on s'habitue d'une façon, puis qu'après ça, oublie ça, on n'est plus capable. Là, on est plus capable de modifier nos habitudes après. Plus on vieillit, pire c'est. Là. Donc, la série qui est là, c'est vraiment une hostie de machine. Rock'n'Roll 330. Ça revive tout le monde, ben capable de... Une véritable machine. Ah, c'est ça que je t'ai dit, on a chacun nos facilités, tu sais. Dans le fond, de la façon qu'on a appris à gamer, c'est là que ça... Ça fait chier, ça. Fait que... On vient encore de se faire défoncer. Wave 6, deuxième objectif. Je sais pas combien il y avait de wave, mais il y en a en sacrement du monde là, qui arrive dans les waves. Puis les objectifs sont le fun, par exemple. Là, sont simples et le fun. Mais pour le vrai, là, c'est. J'adore le jeu. Honnêtement, ça vaut le 80$. Malgré que les animations de face sont, semi. Ça vaut vraiment le fameux 80$.
Donc, ça va mettre pas mal fin au stream d'aujourd'hui concernant Mass Effect. J'espère que ça vous donnera une vue d'ensemble globale là, de c'est quoi le jeu. C'est un peu le but, là, d'ailleurs, des mercredis Twitch. Fuck, j'ai cliqué partout. Là. J'ai cliqué à 200 places différentes. Donc, j'espère que ça vous a bien présenté c'est quoi le jeu. Dites-nous simplement si... ça vous donne le goût de l'acheter, ça vous donne le goût d'y jouer. Je ne sais pas si vous êtes déjà des fans de Mass Effect, mais moi, je l'étais. Puis, dans le fond, je suis en territoire connu avec ce jeu-là. Là. C'est ce que je peux dire de mieux pour le jeu. Ce ne sera pas le jeu de l'année, ce n'est pas le jeu qui m'a le renversé le plus de l'humanité. Mais c'est vraiment, par contre, un jeu avec lequel je vais passer beaucoup, beaucoup de temps. Puis je m'attendais à ça, là. Je m'attendais pas à ce qu'il révolutionne le jeu, mais je m'attendais par contre à ce que avoir un très bon jeu. Puis je pense que c'est pas un excellent jeu, mais c'est un très très bon jeu. Ben oui, effectivement, les waves, ils n'ont rien réinventé non plus. Il y a plein de jeux dans lesquels il y a des waves, puis là, il faut que tu... ça fait que c'est sûr que c'est un peu ça l'idée. Là. Donc, bien sûr, avant de vous quitter, comme d'habitude, je vais vous présenter... le site web d'Arcade Québec, donc le site web qui est juste ici. Donc, on vous demande bien sûr d'aller cliquer sur le podcast numéro 96 et d'écouter le podcast si ce n'est pas déjà fait. Donnez-nous un peu d'amour sur justement les réseaux sociaux, donc sur Facebook, sur Twitter, principalement sur Facebook, on est très très actif. On commence à être un peu plus actif sur Twitter aussi. Donc, n'hésitez pas à nous donner un petit peu d'amour sur ces plateformes-là, de partager ce qu'on fait si vous aimez, de faire connaître autour de vous. C'est ce qui est important pour nous. La vidéo que vous écoutez présentement sera aussi disponible éventuellement dans la section Let's Play d'Arcade Québec pour la section, dans le fond, où on met les vidéos. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Je vais aller me coucher parce que j'ai mal à la tête puis j'ai vraiment le nez plein. Donc, merci encore d'avoir été là. Merci à tout le monde. Merci à Torchounet. Merci à Saint-Sinner. Merci à Ben, merci à tout le monde dans le fond qui était là, donc merci principalement aussi à Guillaume de s'impliquer autant dans Arcade Québec, et on se revoit lundi prochain pour l'enregistrement du podcast numéro 97 dans lequel nous aurons une entrevue exclusive avec une personne qui ouvre un nouveau commerce geek sur la rive sud de Québec. Je vous en parle pas plus, écoutez le podcast. L'enregistrement live se fait à partir de 7h, donc 19h, lundi prochain, lundi le 27. Sinon, vous pouvez l'écouter en podcast sur Internet le lendemain. Simplement, donc dans la nuit, là, c'est uploadé et ça vous est déposé complètement gratuitement sur arcadequebec.com. Merci beaucoup, puis je vous laisse encore avec la flûte. Salut!